Allam Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. I'm Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au show des Pro! Le show qu'on dit les vraies affaires. Alors euh, bonjour à tous, je suis très, très, très content d'être avec vous. Un petit clin d'œil pour du temps passant parce que c'est vraiment une période de l'année, même si nos capsules restent intemporelles. Euh, c'est une période de l'année où bien des gens tombent en vacances et tous les gens de la construction, avec leurs 4.2 millions de ristournes, de, de, de d'ailleurs pour leurs vacances, partent tout le monde se slaquer la face. Alors à tous les gens de la construction. Bonnes vacances, amusez-vous bien, amusez-vous bien, profitez-en, c'est bien important. C'est une idée de M. le caméraman. M. le caméraman, vous êtes bien aimable. Yes. M. le régisseur, bien le bonjour. Tranquille cette semaine, parfait. Annette, merci beaucoup. Yes, parfait. Oui, M. le Sarman, parfait. Yes, excellent. On est on the way, on roule, rolling. OK, parfait, c'est bon, on y va. OK, parfait. Donc, euh, toujours les formalités usuelles. Vous voulez du supplément, vous allez directement chez Planète. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de l'Europe, vous allez voir Frank Allegra chez Westside Nutrition et vous lui dites Julien Cabanel est en TRT, alors vous allez avoir un deal. Sinon, vous allez directement l'autre côté, Là-bas, on reste au Québec, on s'en va voir la Roche qui ressemble de beigne, puis on s'en va voir Pierre-Olivier Prou directement des suppléments Pro. Vous pouvez l'appeler directement sur son numéro de téléphone. Et je l'ai enlevé de la feuille et je l'ai pas. Parfait, fantastique. Je suis un professionnel en estime moi-là. Là. Yes, parfait, c'est bon. Du moins, euh, allez voir euh, Pierre-Olivier Prou les suppléments Pro. Allez voir sur Facebook. Vous allez le trouver sans problème. Et du moins, nous autres, on est toujours au même endroit. On est au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, Gym semi-privé, pratiquement privé, la seule vraie place pour vous entraîner à Québec. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous faites le le 204-8246, le 204 46 faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le double-0, car si vous êtes en train de regarder les choses, c'est peut-être que vos hormones sont débalancées et votre balance a peine à vous supporter. Oh boy! Yes, cette semaine, le DHA. OK, qu'est-ce que c'est le DHA? Le DHA, qu'on appelle le déhydroépiandrostérone, parfait, ça c'est au moins trois années supplémentaires de plus d'études que vous, ça, M. le régisseur. Yes, est une hormone produite à partir du cholestérol qui se transforme ensuite en différentes autres hormones, dont la testostérone et l'oestrogène. OK? Alors, or, la synthèse de DHEA diminue naturellement avec l'âge. À l'âge de 50 ans, le taux est environ 50 de ce qu'il était à 20 ans. OK? Et puis 10 dès l'âge de, 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 de 80 ans. Donc, vous pouvez voir que plus ça va, plus ça décline. Oh, là, j'ai perdu mon capuchon. Attendez un peu. Merci beaucoup. Yes. Donc, comme vous pouvez voir, avec les années avec l'âge, c'est pas vrai qu'on s'améliore. Avec les années, on périclite. Alors, on s'organise pour se tenir en forme. Le DHA naturellement apparaît dans votre corps dès l'âge de 6 ans okay, et atteint son point culminant entre 20 et 30 ans. Okay? avant de décroître avec les années, sachant qu'à 60 ans, le corps produit à peine 15 à 20 de DHA naturel qu'il en produisait à 20 ans. Et voilà, et voilà, parfait. Quel est l'intérêt d'un complément alimentaire comme celui-là, anti-vieillissement? C'est un peu son, son avantage, si je pourrais dire. Le point, lors du congrès anti-aging et du congrès de la Société française de médecine anti-âge en septembre 2007, avec le docteur Catherine de Gourzac. Alors, toujours des noms intéressants, ces gens-là, hein? parfait. Voilà. Alors, l'intérêt comme tel, l'intérêt de la controverse réside dans un paradoxe. Quel est-il? D'un côté, le DHA est critiqué car un apport exogène, une supplémentation, n'apporterait aucun bénéfice notable. Alors, il y en a qui le voient comme ça. Il y a des gens, tu sais, comme dans Greenpeace, c'est comme dans d'autres groupes, mettons, comme, comme la Meute, comme... Euh, je ne sais le parti fourrage de monde. Bon, tiens, il y, y a toujours un, hein, Les axes de pensée sont différents. Voilà. Alors, sauf, 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 sauf chez des sujets qui sont très âgés, comme des gens de 70 ans. On pense que ça, ça peut être bénéfique. Alors, parfait. De l'autre côté, l'Agence mondiale Antidopage a listé le DHA dans le tableau des substances interdites. Je ne peux pas dire je suis bien, bien surpris. Là, tu sais. Eux autres, un c'est interdit. Un sirop pour la grippe, c'est interdit. Oui, ça, là-dedans, il euh, y a de la pseudo de la cinéphrine, tu vas performer. ben oui, ben oui. Allez, moi, je m'envoie vais. Moi, je vais au hockey. Okay, je me prends deux, deux shots de sirop, moi pour la tour, Puis, je deviens Wayne Gretzky. C'est assez innocent, maudit calvaire. Incroyable. Alors, puisque le corps peut utiliser comme matériau de départ pour produire de l'oestrogène ou de la testostérone. Bon. Écoutez, euh, rares sont les cas de dopage au DHEA. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un supplément qui est très, très, très prisé de la part des bodybuilders. Okay, donc, je vous dirais que c'est peut-être plus un produit dans lequel on va travailler pour être capable de contrer des problématiques physiologiques et euh, un manque à gagner okay, au point de vue du balancement hormonal. Voyons-le comme ça. Euh, quand donner de la DHA Effectivement, très bonne question, très bonne question. Merci, 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 merci. Tout le monde est content que j'aie une bonne question. Parfait. Moi, je vais dire comme mon père, quand tu as une bonne question, ça prend une bonne réponse. Alors, le DHA est intéressant car elle est à l'origine de la testostérone et de l'oestrogène. Et comme cette production hormonale est variable d'un individu à un autre, toute complémentation en DHA doit être justifiée par un bilan biologique mesurant okay, le taux des différentes hormones. Ouais, ne donne pas du DHA à quelqu'un qui en manque pas. C'est comme remplir un verre d'eau, c'est comme donner du tribulus à un jeune de 19 ans. Il ne se passe à rien, là. T'sais, le tribulus, c'est un démeur. On s'entend-tu? Vous perdez votre temps, là. T'sais, de toute évidence, le verre d'eau est plein. Bon! Il va déborder. Ah, le jeune, puis le tribulus, ah, j'ai mal à la tête. Ben, c'est ça, c'est ça. Il se passe facal. Okay, c'est ça. Voilà. S'il si n'y a aucun déficit à prendre le DHA, il n'y a pas d'intérêt car il n'y aura aucun effet. C'est ce que je vous disais, voilà, parfait. Ce point est très important, sachant qu'aux États-Unis, le DHA est en vente libre, ce qui n'est pas le cas au Canada. Non, au Canada nous autres on monte des chips avec des bananes et des noix. Ouais, c'est ça. On est bien bon là-bas. -ben. Euh, on se demande comment ça se fait qu'aux olympiques on se fait passer, comment ça se fait qu'en bodybuilding on se fait passer. Euh, comment ça se fait qu'on a à peu près toutes les sphères de sports possible au monde, OK, et dans, je vous dirais, les principes de rajeunissement, de, mon Dieu, de restructuration physiologique, etc. Comment ça se fait que nous autres, on est toujours en retard? Ah, je ben vais vous le dire, pourquoi? Parce que nous autres, il euh, n'y a rien de légal ici, tu n'as rien. La seule affaire qui est légale ici, c'est que tu as le droit de te faire fourrer par le gouvernement. Ça, c'est illégal en Estie. Oui, ça, c'est parfaitement légal. Ça, il n'y a pas à dire. jai tout le droit de dire ça, moi? Ben? Bon, c'est bon, monsieur le caméraman dit que j'ai le droit. Bon, alors. alors, alors il faut savoir que certaines personnes n'en ont pas de besoin, car elles ont déjà un taux naturellement très élevé, alors que d'autres, parfois même très jeunes, okay, peuvent en avoir de besoin. Alors, il ne faut donc jamais prendre de DHEA sans besoin réel. Voilà. Alors, ça vous prend une prise de sang, ça vous prend une analyse d'un bilan sanguin complet pour être capable de savoir si votre taux de DHEA est bon, et si vous n'avez avez de besoin. OK? Bien important. Alors, euh, si, ni, sans, ni sans vérification, euh, ben, vous n'aurez pas d'effet. Soulignons également que certains sujets transforment plus facilement la DHEA en oestrogène. Est... Okay, vous le savez, là, parfait. Et que cette hormone est une inductrice du cancer du sein. Bon, euh, moi, je vous avouerai que j'avoue, le... je regarde M. le régisseur, le cancer du sein peut développer ça, là. Tu sais, hein? non, non, mais c'est parce que je vous regarde, vous avez des man-boobs, là. Bon, ben, ce pas de ma faute, moi, là. là c'est parce que, tiens, une poutine est filochée au port le soir à 8 h, ce pas bon. Tu sais, c'est ça, le problème, yes. hein? voilà, ben, c'est ça. C'est ça, et voilà, c'est ça. Puis vous fumez du pot. c'est ça. Vous êtes un malade, ça, je disais, parfait. Tu le régisseur est un fiefric, coquin. Okay. Voilà. Alors, et probablement, euh, le cancer de la prostate. Bon. Euh, moi, monsieur le caméraman, on a une prostate, vous aussi. Bon. Euh, à savoir si le DHA va provoquer ça, on ne sait pas. Écoutez, on fait attention. Là, euh, le quoi? Non, je ne vous ferai pas le toucher ici, de savoir faire. Là. Non, non, mais ce pas ma job. Il hein, y a des infirmiers à payer pour ça. Bon. Méchant malade, c'est un. <laughs> Qu'est-ce quoi? Votre? Non, non. OK. Votre vie privée ne m'intéresse pas. Non. Merci. Bon. OK. <laughs> C'est assez aigu ici comme émission. on Parfait. Je t'avais de, de sortir la hausse. OK. Parfait. Alors, un premier dosage s'impose donc, euh, je vous dirais, euh, suivi d'un second après trois mois pour savoir si ça tient toujours la route et que la complémentation en DHEA euh, est bonne afin de constater l'impact sur la testostérone et l'ostrogène directement. OK. Alors, Quelle est l'indication de la DHEA Quelle est euh, sa manière de, 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 de la posologie? Comment prendre ça? Comment cycler ça? Voilà. La DHEA est prescrite à dose pharmacologique, dosage élevé, dans le traitement des lupus é, 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 érythémateux disséminés. Il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi, c'est une maladie auto-immune. Moi, j'ai entraîné une personne qui avait ça. C'est assez foqué. Il y a des jours, c'est pas, pas compliqué, c'est un problème de boîte électrique. Il y a des jours, ça fonctionne très bien, tout est beau, puis il y a des jours, ces personnes-là, patate, zéro. OK? Donc, tout simplement, alors, de la polyarthrite rhumatoïde, des syndromes dépressifs. OK, alors, à dose physiologique, on rétablit le taux que l'on devrait avoir normalement. Elle est indiquée en cas d'insuffisance rénale ou d'endropose. Alors, vous pouvez voir que ça guérit bien des choses. Donc, la DHEA n'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment un produit de recalibration hormonale, OK, de solutionnement de problématiques physiologiques. Mais selon le docteur, selon le docteur Romla, ah, c'est parce qu'il y a un tréma sur son haut, Romla, alors, Rumler, endocrinologue à Munich, le DHEA a une action positive sur l'ostéoporose et un effet cardioprotecteur. Elle augmente la masse musculaire, d'où notamment les effets euh, documentés en cas de sclérose en plaques et diminue la masse grasse, d'où son intérêt également en cas d'obésité. Bon, alors, ça reste à dire que M. le Résistant devrait utiliser du DHEA. Bon, je ne sais pas ce que ça va y faire. Du moins, il y a une affaire qui est sûre. S'il si se met à zigner après les murs, si, puis il se met à maigrir, ça va déjà être un plus. Bon, mais cas, les murs vont manger une goutte, puis ça sera tout. Je ne sais pas. Moi, je loue ici. Je ne suis pas responsable. Bon. Le DHA protège le derme. Je n'ai pas dit le terme, là. Ça ne protège pas votre terme de charge. J'ai parlé du derme. Derme, la peau, la peau, la peau. est okay, Parfait. Bon. Euh, elle diminue notamment le nombre de taches cutanées dues aux expositions solaires. OK. Améliore l'état de l'épaisseur de la peau. Euh, ça, ça me fait tout le temps rire, ça, parce que moi, j'ai bien du monde qui me disent Ah, moi, dans ma famille, on ne maigrit pas, on a la peau bien épaisse. j'ai fait une recherche toujours avec ma femme, là, puis je peux vous jurer une chose là la peau est la même pour tout le monde. C'est pas vrai. Ah, oui, tout dépendait des nations, des gens, des pays. Non, non, no fucking way. Moi, on a des gros os dans ma famille. Non, 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 non. non. C'est pas vrai. Est... On, on est plus lourd, on a des gros os. Non, non, les os ont une densité. Euh... Euh, « Mon Dieu, euh, c'est relativement similaire par rapport aux individus. Des fois, le squelette peut être un peu plus massif, un peu plus gros. » peu... Mais tu sais, bon, dans des proportions de 5 à 7 d'après moi, environ, de variation d'un individu à l'autre, euh, c'est comme la peau, c'est pareil. Là. Si tu gardes une peau bien épaisse, comme tu dis, « Spastumeuse !» C'est juste ça. C'est pas le DHA qui va te faire maigrir, OK? C'est bon. C'est moi, je sais, j'ai amené, moi, des clients, clientes. Là, je t'ai dit chez nous, là, là, la peau est pèse de même. Ouais, c'est d'où l'expression, t'es tapé dans le plus mince », là, boignez vous c'est ça. Et voilà. Alors, ceci est un antidépresseur, aussi un antistress et un stimulant de l'immunité. Okay, alors, on parle vraiment du système immunitaire. Concernant le système cardiovasculaire, le DHA augmente la sensibilité à l'insuline, très intéressant pour la gestion des sucres, laquelle diminue naturellement avec l'âge. Bon, c'est pour ça qu'avec l'âge, tu fais un petit peu de « hein? c'est pour ça, voilà, tout simplement. Et ce qui est à l'origine d'un risque accru de diabète, évidemment, c'est bien sûr, d'hypertension, de syndrome métabolique, euh, mon Dieu, de problématiques d'irrigation sanguine, euh, d'assèchement au niveau des vaisseaux sanguins, d'artériosclérose, etc., etc., de cécité. Bon, tu sais, le, le diabète, ça a plus, plus qu'une facette. Enfin, c'est une capsule que je devrais vous faire, à un moment donné, le diabète, ce serait intéressant. Vous allez voir qu'il n'y a pas une histoire de sucre. Ça, ça dépasse ça, là, OK. Yes. Alors, en augmentant la J'y vais... coup sec, la fibrinolyse. Et voilà. Et j'ai eu un coup sec parfait. C'est la dissolution des caillots sanguins. C'est ça, la fibrinolyse. Alors, le DHEA diminue aussi lorsque le risque de thrombose et donc d'accident vasculaire cérébral. Ça diminue ça. Intéressant. Alors, à ce jour, il n'y a aucune donnée concernant le risque de cancer du sein. Même on parle plus de prévention. Alors, très intéressant là-dessus. Comme nous en avait parlé d'ailleurs, mademoiselle Audrey Lemasson affectueusement appelée molécule. Voilà, yes. J'ai pas dit testicule, j'ai dit molécule. Idiot. Ouais, c'est ça cette euh, à un moment donné. Si tu le pinches qui fait défaut, euh? so, so, c'est ça le problème, je pense. C'est ça. Toi, tu sais que tu ne sors pas de mi hein, C'est ça. Ouais. Hein? Non, non, écoutez, là. Non seulement je ne veux pas connaître vos problèmes de prostate, mais j'ai une émission à faire. Merci. Vous êtes bien aimable. Merci, bon, enfin. Bon, parfait. OK. On peut continuer. Rolling. Parfait. Oui, M. le Sandman me dit qu'on est correct. M. le Caméraman, c'est beau. Oui, M. le Caméraman, il me dit que vous devriez prendre un break. Là. Merci. Parfait. Okay, c'est bon. Pendant ce temps, en France, alors mes cousins français, encore félicitations pour la Coupe du monde. Et, yes. Un petit peu moins épais que nous autres qui brisent tout quand on gagne la Coupe cette année. Je vous félicite. Bon, euh, quelques casseurs, comme vous dites. Mais bon, euh, quand même, je pense que c'était plus l'idée de fêter. Hein? Je pense que c'était plus ça. Donc, euh, pendant longtemps, en France, il a été dit par mesure de précaution qu'il ne fallait pas donner de DHA à une femme ménopausée euh, qui suit un traitement hormonal euh, substitutif de, 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 de THS, de TSH. OK. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ok, euh, il est possible de coupler la TSH avec le DHEA, mais à la stricte condition d'un suivi biologique régulier pendant, permettant de contrôler les effets de la, de la DHEA sur l'oestrogène. Ok? Oui, euh, oui, parfait. Et, et si celui-ci devient trop élevé, euh, alors il devient euh, alors, alors il convient de diminuer la concentration d'oestrogène et, et, et du TSH. Bon. Évidemment, c'est sûr, une concentration pour une femme qui est trop élevée en oestrogène va amener de toute évidence des problèmes d'ostéoporose, peut amener des kisses polychistiques euh, au niveau des ovaires, ovaires polychistiques, peut amener aussi, je vous dirais, différents types de problématiques physiologiques, euh, mon Dieu, de, euh, de constipation, de digestion, de problèmes d'irrigation sanguine. Euh, euh, mon Dieu. Euh, comment on appelle ça? Là, les femmes, là, vous avez tout ça, là, vous capotez là-dessus, hein? Oui, des varices, oui, ensuite de ça, là, la cellulite, la cellulose, c'est ça, voilà, yes. La cellulose, sa jambe, là. quand tu pognes la peau de même, tu as l'impression qu'elle a un ananas, c'est pas bon signe, c'est mal irrigué, voilà, bon. Oui, hein? ouais, la peau d'orange, ouais, c'est pareil, l'ananas, je trouve ça plus agressif, voilà, parfait. Alors, euh, non, c'est parce que je regarde le citron à côté de moi, puis je me disais que l'ananas, c'est encore poli. Yes, c'est ça, c'est ça, méchante salade de fruits, voilà. Les effets de la DHEA seraient plus marqués en l'associant à une prise de vitamine D. Intéressant. Les substances agissant alors en synergie, suite à l'observation d'une corrélation entre la dépression et un faible taux de DHA dans l'organisme, des études ont été faites sur les défaits de, de, de la DHA dans le cadre, dans, dans ce cadre, avec des résultats apparemment encourageants. Donc, euh, on, comme différents types de produits qu'on est capable d'utiliser, des fois, des synergies au niveau pharmacologique peuvent être un petit peu plus intéressants et amener des résultats plus probants. Sachons-le. Précisons que ces ok, que ces essais ont mené, OK, à des rapports en DHA, des apports en DHA, qui correspondaient de 90 à 500 mg par jour. Bon. Ça, c'est avec un suivi biologique, pharmacologique avec un médecin. Ne prenez pas 500 mg de DHA par jour dans le beurre pour savoir ce que ça fait. Il, OK? On n'essaye pas ça. Bon. La dose maximale étant particulièrement élevée, cette prescription devrait se faire que sous contrôle médical. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Parfait. Les personnes souffrant d'insuffisance surrénalienne ne produisent plus ou peu de DHA. Alors, des études semblent démontrer que ces malades réagissent positivement à des apports exogènes, ce qui veut dire une prise extérieure, de cette substance, notamment sur le plan du bien-être psychologique et de la sexualité. Elle combattait également certains désagréments liés à l'âge. On sait déjà ça. Le DHA aurait ainsi des effets bénéfiques pour la peau en ralentissant le vieillissement cutané. Parfait. Le DHA aurait des effets. M. le Régisseur, vous devriez prendre ça à pleine pelle, vous, hein, parce que franchement, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Zigner le coin du mur. Parfait, parfait. Le DHA aurait des effets prévenant les maladies cardiovasculaires, euh, des modestes effets, par contre, mais bon, quand même euh, euh, relativement observables, mais réels sur les troubles de la mémoire dus au vieillissement. Pas mauvais. Alors, tu sais, les... Tu les gens qui deviennent un petit peu plus séniles, Ah, hein, quoi! Bon, ça pourrait vous aider, hein? Voilà. Euh, il limiterait enfin la prise de masse grasse au niveau de l'abdomen, qui semble inévitable après 40 ans. Je ne sais pas si il faut que je le prenne personnel. Là. Moi, je vais être bien franc avec vous. Euh, si vous vous entretenez, vous faites attention. Moi, j'ai 46 ans, je ne suis pas très gras de la masse abdominale. Bon. Bon, toi, tu vas dire, toi, tu es un culturiste, tu manges bien, tu prends des produits, tu t'entraînes comme un cave. Bon, 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 bon. bon. Mieux encore, mieux encore. Écoute, euh, je rien fait de fantastique et faramineux. Ça vous appartient de vous entretenir. Bon. Mais vous dire que passé 40 ans, obligatoirement, tu deviens gros. Bon. Euh, M. le régisseur, oui. Les autres humains de la planète Terre, non. Bon. C'est une autre affaire. Yes, on est 8 milliards à vous regarder. Et voilà. Parfait. OK. En revanche, contrairement à certaines allégations, le DHA certaines allégations n'auraient aucun effet pour soulager les troubles de la ménopause et n'amélioreraient pas les troubles de dysfonction sexuelle et érectile, autant chez l'homme que chez la femme. Évidemment, je ne parle pas de dysfonction érectile chez la femme. C'est parfait. Peut-être juste se lever de bout et gueuler, c'est une autre affaire. Là. Mais du moins, on est capable de se rendre compte que ce n'est pas ça qui corrigerait le problème. Mais une femme qui n'en a pas dans son corps comme un homme a une carence. Une carence amène des problèmes. Comme un trop plein amène des problèmes. Je vous l'ai tout le temps dit, trop, c'est trop. Trop de fun, trop de bière, trop de drogue, trop de sexe, trop, trop, c'est trop, c'est trop. OK? Le DHA est parfois utilisé par, 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 par les athlètes pour stimuler le niveau de testostérone qui augmente, ainsi pour augmenter les performances musculaires. Bon, moi, j'ai déjà fait des tests avec ça. Là, Universal Nutrition en fabrique entre autres du 25 mg, du 50 mg. Euh... Bon, moi, j'ai déjà fait des tests parce que j'en manquais pas de toute évidence, que je n'ai jamais compris ce que ça faisait. Euh, certaines femmes avec qui j'ai travaillé, j'ai déjà fait essayer, des femmes de 45-50 ans, ou pareil, il se passe à quatre choses. Donc, c'est n'est pas un produit que vous allez donner à outrance. Ça prend vraiment une prise de sang puis une analyse, euh, je vous dirais, hématologique pour être capable de vraiment déterminer s'il y a une carence. Et s'il y en a une, il deviendra intéressant. Sinon, ça sert à rien. Bon, voilà, okay, on va se le dire. là. Alors, soyez avertis. Alors, chers téléspectateurs, prenez toujours la peine de vous informer comme il faut à place de vous faire dire n'importe quoi. Alors, à place d'aller chez Nertruc euh, Marteau, puis chez Naughty Anus euh, Foquet, bien, à place d'aller là, allez dans voir du monde qui savent de quoi qu ils vous parlent, <laughs> excusez-moi, excusez-moi, ça m'a fait du bien. Donc, alors, à ce moment-là, travaillez avec des pros. OK? Et non pas euh, avec des restants de table. Hein? Bon, ça va vous aider. Voilà, ça se dit. Ouais, ça, ça se dit, ça se dit. Ouais. Bon, voilà. Alors, ça se dit, ouais. Bon, ben, ça, je l'ai dit, on est fait. Hein? On est baptiste. Alors, des études attesteraient que la consommation de 50 à 100 mg par jour, ouais, ça, je suis d'accord avec ça, aurait pour effet une amélioration de la masse musculaire euh, chez les sujets entre 40 et 70 ans. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on donne à des gens jeunes à moins d'avoir des problèmes. OK? Euh, les résultats de ces études demeurent néanmoins très controversés. Alors. On n'est pas encore au diapason complètement. Lors de la prise de DHE, le dosage recommandé 25 à 50 mg par jour, car c'est le dosage avec lequel la DHEA est bien tolérée par le corps. Je suis d'accord avec ça. Au-delà de ce dosage, le DHA a des effets indésirables tels que l'apparition d'acné, d'irritisme, la femme à barbe, rentrez dans vos maisons, ça, vous voulez pas ça, hein? Avec des patrouilles, j'ai voulu! là. Vous voulez pas ça. c'est pas bon. Yes, donc, non, non. Barbe rousse, si dans ton litre, le tabarnache, c'est... C'est vraiment... Le, euh, je c est, c est, aucun goût, aucun zéro. Alors, un dosage trop élevé de DHA peut aussi faire baisser le taux de cholestérol. Bon, mais de bon cholestérol, c'est ça le problème il ne faut pas que ça baisse ça le bon cholestérol ne doit pas baisser alors soyez très prudent à la prise de DHA alors car un dosage excédant 50 mg à ce jour peut stimuler la croissance de certains types de cancers alors il est important de faire attention à notre dosage de DHA si vous souffrez d'hypertension artérielle de diabète ou de certains troubles psychiatriques qui okay, bon, alors ça alors vous ne devriez pas vous supplémenter en DHA sans avis médical donc exemple quelqu'un qui est schizoïde c'est peut-être pas une bonne idée bon un paranoïaque, euh, débile mental, euh, agresseur d'enfants de, de vitesse, c'est pas bon. Bon Exemple, alors il y a des choses comme ça qu'on fait pas. Genre Guy Turcotte, euh, c'est ça son nom? Guy Turcotte, c'est ça? Alors Guy Turcotte, ne prend pas de DHA, ne fais pas ça, continue à boire du lave et meurs. Excusez, j ai, j ai, je l'ai dit, je l'ai dit, dit? Excusez, bon, excusez. Non, non, mais moi je ne suis pas capable, moi, moi un gars qui vit ça à ses enfants, je ne suis pas capable, bon, excusez. Là. Voyons, mon capuchon, il est bien je Tabarnouche, monsieur le régisseur, qu'avez-vous mis dans mon crayon? Ah, parfait, yes. Surtout pas de la mine. Vous n'en avez pas. Effectivement, vous avez raison. Petit shot de DHA. Ah, yes, sir. OK. Est-ce que c'est un médicament comme les autres que l'on trouve en pharmacie? Pas vraiment. Effectivement, la DHA est disponible en pharmacie sur prescription seulement. Moi-même, j'en ai jamais vu en pharmacie. Euh, Je suis persuadé que ça existe. Mais d'après moi, ça, prend... ça vous prend un, un an de crinologue, une personne très avancée pour être capable de vous prescrire des produits comme ceux-là. C'est très spécifique. On sentend En revanche, elle est non commercialisée. Euh, elle n'est commercialisée par aucun laboratoire et ne fait l'objet d'aucune publicité. Effectivement, c'est un produit obscur un peu. C'est spécifique. Peut-être même plus pour les femmes un peu que les hommes, etc. Je vous dirais, c'est pas le genre de produit avec lequel on travaille beaucoup. Tu sais, exemple, comme les peptides, il y en a certains dans certains modes d'entraînement ou dans certaines phases séquentielles qui sont à propos. Vous voyez un peu la, la nébulosité de la chose, là, un peu. Bon, voyez. Alors, c'est ainsi que certains pharmaciens. Ne savent pas, euh... ouais, ouais. Ouais, ouais, effectivement, effectivement, certains pharmaciens ne savent pas. Euh, euh, moi, je ne suis pas habitué, je prescris juste des antidépresseurs, <laughs> ouais, c'est ça, parfait, c'est ça. Puis, là, quand tu arrives, tu demandes un signe de délatestril, ah, il capote. Puis, là, tu le regardes, carré! Ah! parfait, puis il ne comprend pas. Voilà. Même moi, non plus, je ne comprends pas. Voilà. C'est ainsi que certains pharmaciens ne savent pas, ne savent pas qu'ils sont autorisés à le délivrer. Alors, il s'agit d'une décision du ministère de la santé euh, pour éviter tout lobby financier. Attendez un peu. Là. Pff, pas besoin d'être ça. Faites-vous en pas. À la fin de l'année, il va l'avoir son petit voyage dans le Sud. S'il vend toutes ses petites penules. Bon, voilà. OK. Alors, au final, le DHA est prescrit par les médecins sous forme de préparation magistrale. Effectivement, c'est particulier. Existe-t-il des effets secondaires Le risque zéro n'existe pas, nous le savons déjà. Voilà parfait. Le principal risque est le surdosage. Bon, encore là, si vous avez des bilans sanguins, vous avez dans quoi vous aligner. Le risque d'erreur est pas grave. Si vous faites ça, ok, je fais un test, 800 mg!» Bon, euh, ça se peut que là il y ait un problème. Ok, on s'entend, tu Les effets secondaires du surdosage sont indiqués, ok. Avec ceux d'un surdosage en testostérone, qui se traduit essentiellement par une accélération de la chute des cheveux, de l'acné, voire de l'augmentation de la pilosité au, au visage chez les femmes. Oui, euh... oui, 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 ouais, ouais, voilà, voilà. Les femmes, euh, euh, comme, comme ce qu'elle avait quand elle, quand, quand elle était très jeune, une espèce de petit euh, duvet là, velu là, partout sur le corps. Là. Parce que même si les femmes, vous les regardez quand elles sont très jeunes, 16, 19 ans, 25 ans, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de poils, c'est skinny, skin. Euh, J'ai déjà préparé un athlète de, de 17-18 ans là, qui, en championnat, ne s'était pas rasé pour faire le championnat. Et en mettant le tan, on voyait très bien, de façon très, 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 très fine, qu'il y avait une très fine couche de duvet partout sur le corps. C'est ton poil de bébé que tu n'as jamais enlevé, effectivement. Voilà. Euh, alors, l'objectif est donc de trouver un dosage idéal. Pour cela, on procède par paliers. Alors, comme la glande thyroïdienne, comme la testostérone chez les hommes, comme différents types de médicaments, on fait des tests simplement. Alors, et on, et, et on s'arrête lorsque les doses de la personne euh, On s'arrête à, à, à des doses où est-ce qu'on est capable de calibrer le même dosage que quand elle avait environ de 20 à 30 ans? C'est là que c'est intéressant. Personnellement, euh, euh, je crois que de ne pas dépasser euh, le trois quarts, alors 75 de ce que la personne avait à l'âge de 30 ans est intéressant. Alors ainsi, exemple, peut-on alors une femme, euh, on s'arrête environ à 1,5 nano, euh, nanogramme par millilitre, sachant que quand elle était jeune, c'était entre 2500 et 3000. Exemple. Et on va faire la même affaire chez les hommes. En sachant que chez les hommes, entre 2005 et 3000, alors on est capable de dire qu'à l'âge de 30 ans, il est entre 3500 et 4000. Voyez, bon, alors, on va chercher un juste milieu. Exemple, comme un standard de testostérone pour un homme environ de mon âge peut se situer entre 7 et 30. Alors, quand le sujet masculin est bien dosé en frais de testostérone synthétique exogène, on est capable de comprendre que quand on arrive environ à peut-être 23, 25 okay, nanogrammes par millilitre, c'est intéressant, on est pratiquement optimal. c'est 30 étant la limite, parce qu'à un moment donné, en haut de ça, c'est le foie qui va travailler pour rien. Vous allez taxer d'autres organes, donc, ce n'est pas nécessairement bon. Alors, ne serait-ce de dire que vous dosez comme un cochon, c'est pas bon, c'est pas bon, effectivement. Je vous l'ai tout le temps dit, trop, c'est trop. Voilà, parfait, OK. Euh, pop, 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 pop. Oui, clics. Alors, il faut donc faire très attention à ne jamais dépasser les doses physiologiques euh, acceptables pour obtenir un tel taux. On débute généralement avec des doses, de, des doses de 15 mg par jour chez les femmes et 25 chez les hommes. Puis, on augmente progressivement, exemple comme le clambutérol, comme bien d'autres matériels. Et pour arriver respectivement entre 25 et 50 mg par jour, dans tous les cas, cette, cette prescription se déroule euh, sous contrôle biologique, c'est-à-dire en réalisant régulièrement des dosages de contrôle de DHEA. Comme exemple, euh, quand une personne va prendre du centroïde, alors on prend des prises de sang pour s'assurer que le taux d'hormone thyroïdienne, la TSH, euh, la TSH, pas la TSH, la, 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 la T4, la T3, sont valables. C'est bien important. Okay? Alors, on fait attention justement au niveau des oestrogènes chez la femme et du taux de testostérone chez les hommes. Okay? Le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, il ne faut pas que ça dépasse un certain taux, sinon on développe des problématiques au niveau du cancer de la prostate. Alors, sachez que le DHA n'est actuellement, en en, 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 actuellement pas en vente en France, en vente libre. Oui, effectivement, vous autres, les cousins français, vous avez un solide problème avec ça parce que vous autres, c'est très dur de trouver du matériel qui a de l'allure. Euh, bon, dans salle salles de musculation, vous vous faites dire n'importe quoi. Vous avez, des gars avec, vous avez des gars avec des bras de 40 cm qui viennent vous dire, euh, « hey, Moi, je prends rien. » Ou tout simplement, « Non, moi, je prends rien. » Bien, il est rendu euh, eunuque. OK? Puis il y a des boutons partout, mais il vous dit qu'il ne prend rien. On n'est pas des caves, là. Ou tu as carrément là, Gisèle qui arrive à côté. Ouais, moi, je fais de la musculation là ouais. Bon, c'est plutôt inquiétant. Bon, alors, vous autres, chez vous, puis même trouver de la qualité, ce n'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup de gens en Europe qui font affaire avec moi, qui me posent des questions. Tu connais-tu des sites? Tu connais-tu des gens? Exemple, vous pouvez toujours euh, rejoindre Sylvain Arnault, OK? Qui est un gars qui a un site, justement, qui est très connu. mettons un exemple pour être capable de le rejoindre. Vous êtes capable de travailler aussi avec Mossel Genot, qui sont des gens qui sont excessivement bien documentés et qui ont du très bon matériel. Ils peuvent travailler avec vous autres. T'sais. Il n'y en a pas beaucoup des bons, mais il y en a tout le temps. T'sais, essayez d'éviter les trucs d'arnaque qui viennent des pays obscurs. Là. Moi, euh, peut-être, je vous dirais, « Bon, le Susano karachi, je vais y croire, même si ça vient du Pakistan. » Il y a des places sans terre, exemple, là, si j'avais, mettons, exemple, une testostérone cipianate qui venait du Zimbabwe, moi, je ne la prendrais pas. Euh, moi, j'aurais peur qu'il me pousse du poil et une paire de babounes. Tu sais, je ne prendrais même pas de chance. Okay, puis je pourrais devenir complètement débile. Voilà, bon, je ne prendrais pas de chance. Ça, 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 je ne suis pas un racialiste. n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire quand même qu'il y a des choses, des fois, qui sont plutôt obscures, puis je ne vous conseille pas d'embarquer là-dedans. Alors, documentez-vous adéquatement. L'Agence française de sécurité sanitaire, désirant poursuivre ses évaluations avant de donner une éventuelle autorisation sur le marché. Euh, le seul avis que, que je me permets de mettre à ce jour est qu'une supplémentation de DHA avant l'âge de 40 ans me semble légèrement inutile, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à guérir. Euh, je vous le confirme effectivement, ce n'est pas un produit qu'on utilise dans un âge bas, à moins d'avoir une déficience hormonale. En effet, que ce rapport euh, soit efficace ou non, la logique voudrait qu'il soit inutile d'en absorber tant que le corps en produit de façon optimale et naturelle. Effectivement, oui. Bon, voilà. Alors, euh, sportif de compétition, n'oubliez pas que cette molécule peut être détectée dans les tests antidopage. OK, passons. Euh, ben non, Quand tu t'en vas championnat, c'est testé. On, excusez, je vais le dire, je vais être bien direct. Là. On s'en calisse. OK, il va 45 gallons de nantate. Ah ouais, let's go, regarde. On est là pour ça, c'est réglé. C'est pour ça que les concours naturels, <coughs> moi, je ne crois pas à ça. À moi, je n'ai jamais rien pris. Je <laughs> suis un menteur, c'est ça. Alors, certains athlètes ont déjà été suspendus pour des niveaux de DHA élevés. Et mon Dieu, ça va pas bien. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé là. All right. OK. Alors, c'était ma capsule pour cette semaine. Le DHA est un petit produit qui est relativement très simple. J'ose croire que je vous ai démystifié un peu l'idée. Alors, bon, la... OK. Dans les trois prochaines semaines, les sujets sont les suivants. Les pornos sexuels. Oh boy, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Oui. Ça, j'ai pas mis un article là-dessus. J'ai trouvé ça bien flayé. Oui. Donc, ouais, je ne vous, je vous vole pas le punch. Ça, c'est un genre de monde qui s'adule un peu. Là. Moi, je trouve ça bien, bien spécial, ces choses-là. Comment défoncer des plateaux? Okay. Non, non, pas avec votre pénis. Puis on fait pas de galettes de riz ou de biscuit là-dessus. C'est pas ça que j'ai dit. Défoncer un plateau tout simplement. C'est vraiment d'être capable de dire que quand j'ai plafonné, pou, je suis capable de passer en haut, right? Ok, parfait. Et les trainings de force. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entraînement de force? Comment qu'on le périodise? Comment qu'on le travaille? Le genre de répétition, de repos, etc. Je vais vous montrer un training de force, qu'on va le regarder ensemble. Alors, dites-vous toujours une chose, que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre DHA est tellement rare aussi que votre identité sexuelle est maintenant non-genrée. Oh boy. Yes, all right. Alors, pour cette semaine, ce sera tout. Alors, je vais vous revoir la semaine prochaine. J'ai été très content de partager ça avec vous. Alors, restez à l'écoute euh, du show du pro. On se revoit la semaine prochaine au show du pro!